vidéo un petit peu tard parce que voilà, j'ai eu quelques petits soucis d'ordre matériel qui m'ont contraint du coup à annuler certains projets. Aujourd'hui, on est à Vias, à Fabricus World ou Europark Vias Plage. Et puis voilà, c'est parti. On va commencer par cette magnifique tour de chute que je vous ai montré il y a 2 secondes. Et puis on va voir ce que ça donne. Ah, vous avez choisi le pire dès le début. Oui, oui, oui. Hein. Oh, what the fuck? C'est très haut. Non, c'est très haut. C'est très haut. 70 c'est mètres. C'est très haut quand même. Oh. Non, c'est haut. Oh. C'est haut. C'est haut. C'est très haut. C'est quand même haut. Attention. Non, non, non. Ah. Waouh, 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 waouh! Ah! Allez, lâchez tout! Ah! 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 Bon, du coup, sorti de cette petite space shot de 70 mètres de haut, du coup, bon, très doux, très agréable. Bon, ça fait pas des sensations de fou, mais franchement, ça donne une belle petite aperçu du parc. C'est très, très, très sympa à faire. Et du coup, tout de suite, c'est parti pour l'Euroloop. Le petit coaster du parc des pommades, après ce que je vois, ce que je peux constater. Donc ça va sûrement faire mal, mais il faut le faire. Ils sont jolis les trains, j'aime bien, c'est lumineux là. Non mais moi j'ai pas fermé les yeux de tout le trajet, hein. Non, pas du tout non. Bah, j'ai cligné des yeux mais j'ai pas fermé les yeux. Hein.
Bon voilà, alors du coup, sorti de deux tours de l'Eurolou. Franchement, pourri. Bon, ça fait quelques petites vagues sensations, mais c'est une très très vieille machine, ça secoue énormément. J'ai raté mon override parce que ma caméra s'est coupée, donc du coup, je ne vais pas le refaire. Franchement, deux fois ça suffit. Et puis on va voir ce qu'on fait ensuite. Bon, et puis tout de suite, un petit tour par le très fantôme Psychos. On va voir ce que ça donne. Très kitsch en tout cas. On va se promener en cage, ça va être super. Bon, et puis voilà, une petite vue de l'Euroloop en train de monter le lift pendant qu'on attendait dans la file d'attente, parce que c'était un petit peu long quand même. Attends, et puis du coup, ce sera suivi par l'Euroloop qui n'est pas très très intéressant, mais c'est plus important, 2 ou 3 minutes de plus. Allez-y. Alors c'est claqué du cul, mais jusqu'au bout, hein. Vraiment, heureusement que c'est compris dans le prix du billet. Bon, alors sorti des Psychos, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ça pue du cul, franchement, il n'y a rien de rien. En gros, c'est faire un petit tour dans le noir, quoi. Heureusement que c'est compris dans le prix du billet, parce que franchement, payer pour ça, c'est juste nul, quoi. En fait, c'est une perte de temps, pendant 2 minutes, ça roule, et après, voilà. À éviter, franchement, à part si vous avez envie vraiment de tester toutes les attractions, mais sinon, franchement, c'est... Et le petit coaster qui tourne autour, bien sympathique toujours. Il est joli, cela dit, il est bien illuminé, franchement c'est pas mal. Et voilà du coup sorti du Skyrider qu'on voit juste derrière, franchement au top. 70 mètres de haut, 120 km/h, une espèce de balancier de folie. Je regrette pas, c'était trop bien. Et maintenant, on passe à la suite. On a été tout à fait à gauche, donc sur toute la partie gauche du parc. Et là, on va faire le reste, donc on va voir ce qui se passe sur la partie droite.
la tour Space Shot, qui est vraiment très très bien, très très sympa, très smoothy, très agréable, franchement. Et on enchaîne avec le Rio Bravo, le petit floum du coup de ce parc. On va voir ce que ça donne. Ça risque de pas être foufou, mais sait-on jamais. Ah, ben finalement c'est juste des bouées. Je me suis trompé. Bon, du coup, sorti des petites bouées. Alors, franchement, c'est assez ancestral, mais c'est joli, c'est mignon, c'est fun. Ça mouille pas, mais voilà, c'est sympa. Bon, sorti de l'adrénaline. Bon, sorti de l'adrénaline, du coup, bon, c'est sympa, sans plus. C'est pas non plus extra, hein. C'est un petit booster comme on en trouve un peu partout dans les fêtes foraines. Mais voilà, c'est toujours cool, ça fait toujours quelques sensations, c'est sympa. Une petite carriole très jolie, mais bon, pas le temps de faire ça parce qu'il reste que une demi-heure et du coup on a envie de faire des choses un petit peu plus amusantes. Bon, il y a des endroits qui sont assez jolis, après de manière globale c'est quand même assez mal entretenu, il y a pas mal de trucs assez abîmés et assez vieux, donc voilà, c'est moyen. Moi, c'est ça que je veux faire là. Est-ce qu'on va avoir le temps? On accélère! Ah, c'est parti, l'accélération, je pars tout le monde. La chemin est tout l'air! Lève vers le ciel! Allez, on se arrive à ce yeah, quoi? Ça commence à être mouillé alors qu'on n'a même pas encore commencé à monter les trucs. Oh là là. Oh. Oh non, le pied. Ah. Je l'ai pris, je l'ai mis. Jamais devant finalement. Ramène-toi. Oui. Mais non, c'est microscopique ça. Ça devrait aller vite. Ah! Ouf, ça va qu'on est léger. Oui, c'est la grande là. Mais je vais pas la filmer celle-là, je crois, sinon je vais me bouffer les dents par terre. Sauf si j'arrive à tenir avec une seule main, à la limite je peux peut-être. Mais faut moyen de mettre. Ah mais ça fait mal cette embarcation de mettre là. C'est là qu'on risque de prendre dans la gueule, moi je te le dis. Ah, ça fait pas peur. Hein. Ah putain la douche de merde. Ah. Bon, mais au moins on peut dire que le floum il mouille, hein. Alors c'est parti.
balance, on y va comme ça, allez. Ça se balance. On s'est fait pris ça, allez. Ouais. Attends, il n'a pas commencé à tourner encore. Non. Allez, ça commence, ça commence. Bon, voilà, vous avez saisi le principe, ça tourne, ça monte. Allez. Mais oui. Et voilà, du coup, au passage, je me suis fait le flow où j'ai pris une vagasse énorme. Je vous dis pas comment je suis trempé. Et un petit tour sur le frisbee pour sécher, c'était cool. Allez. Et là, je vais vous montrer le grand 8 de la mort qui tue. Bon, personnellement, je le ferai pas, hein, parce que bon, c'est un petit peu trop petit pour moi. Mais je trouve quand même que le train est très très beau. Franchement, je le trouve super joli. Voilà. C'était juste pour dire ça. Et du coup, tout de suite, un dernier petit tour par la tour Space Shot. On va se faire encore un petit kiff à 70 mètres de haut. Et puis, je pense que ça sera la dernière, parce qu'il est déjà minuit 45 et que le parc ferme à 1h. On a même les petites mascottes du parc. Je peux préciser que c'est quand même une SNS. Allez, c'est parti, à tout à l'heure, bye bye. C'est parti. Notre point de vue. À Madrid, il y en a une du même constructeur, 100 mètres de haut. 30 mètres de plus. Dépressurisation. Voici l'arrivée, je vous ramène tout en douceur.
voilà, du coup, sorti du Twin Towers. En fait, petite chose à préciser, je n'avais pas remarqué, mais c'est une double tour SNS, du coup. Donc, le même modèle sensiblement qu'à Madrid, mais un petit peu plus à Warner, du coup. Mais un petit peu plus court, 70 mètres au lieu de 100. Donc, c'est voilà, quand même très sympa. Oui, je veux bien. Je veux bien, je dis. Petit tour dans la petite boutique des souvenirs. Oh, il y a quand même deux, trois petites choses. C'est pas très joli, mais au moins ils ont fait l'effort d'avoir une petite gamme. Voilà. Et du coup, la petite pause de sucré après les émotions, on a fait un petit tour dans une petite boutique pour une petite coffre et un granité. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette petite visite de Fabricus World au parc des Asplages. C'est plus trop. C'est assez sympa. Bon, c'est un petit peu vieillot. Il y a des trucs qui sont un petit peu en mauvais état, des lumières grillées, tout comme ça. Mais globalement, il y a quand même un gros effort qui est fait. Je classerais cette destination un petit peu dans une espèce d'hybride entre une grosse fête foraine et un parc d'attraction. Cela dit, franchement, c'est très sympa et je pense que je reviendrai. Parce que, voilà, quand même assez qualitatif et il y a pas mal de trucs sympas. Donc voilà, c'est sur cette petite note positive que va se finir cette vidéo. On se retrouve plus tard pour une nouvelle visite.